Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce dernier rendez-vous tendance des Séprine Days où nous vous proposons d'engager le dialogue avec une pionnière de la communication de chantier, Geneviève Bechon. Bonjour Geneviève. Bonjour à tous. Donc Geneviève, donc, qui avec sa collègue Anne Le Breton et leur agence Art Chantier est devenue un acteur incontournable du secteur en prenant une communication à hauteur d'homme marquée par une vraie recherche de sens. Sur un marché donc où la communication très grand format s'est beaucoup développée, Art Chantier a apporté des réponses nouvelles et innovantes. Et de plus en plus dans l'air du temps, tant cette recherche de sens dont on parle tant a pris de l'importance pendant cette crise. Donc, je viens de le dire en introduction, vous avez été pionnière dans cette approche. Votre agence Art Chantier a révolutionné la communication de chantier en proposant autre chose que des bâches sur lesquelles on imprime des perspectives. Une stratégie qui a aujourd'hui l'écoute des donneurs d'ordre, tant cette recherche est devenue importante. Est-ce que vous me confirmez cette piste? Alors, je confirme, effectivement, il y a le contexte actuel qui est un accélérateur à cette quête de sens et cette quête de signification et d'être au plus proche. Alors, quand on nous parle de l'humain dans les briefs, ben, on s'est dit, soyons au plus proche de l'humain et avoir aussi une transmission d'éléments qu'on n'aurait pas forcément que sur du visuel. Donc, on y a ajouté le son et on a voulu être effectivement à hauteur d'homme. C'est-à-dire dans la confidence, raconter et développer des thèmes en racontant des histoires au public. Mais tout cela en étant non intrusive, c'est-à-dire à chacun de choisir s'il a envie d'écouter ses confidences, ses histoires, et de s'asseoir par exemple sur un banc ou de se rapprocher d'un écran qui est la palissade qui diffuse donc du son. Donc effectivement, en quête de sens, je pense que c'est vraiment le sujet pour que les marques particularisent leur ADN. Alors, je suis très bavarde, donc je vais peut-être laisser Cécile reprendre la Oui. même. Non, non, vous pouvez continuer à faire. En fait, ce lien, cette quête de sens, donc vous m'avez dit cette recherche du lien, d'humain, d'innovant, d'innovation, de RSE, c'est dans tous les briefs. Aujourd'hui, ça nous paraît assez évident, puisqu'avec la crise, toutes ces valeurs sont remontées et toutes les études consommateurs qu'on a pu avoir montrent que tout le monde veut maintenant des marques engagées et prêt à ne plus acheter, à payer plus cher. Mais quand vous vous êtes lancé, comment cela a été réceptionné? Comment est-ce que vous avez pu proposer cette approche? Donc, on va voir un projet, hein, vous allez nous en parler, celui que vous avez fait pour BNP Paribas. Mais quelles étaient les attentes du client à ce moment-là? Comment vous avez pu amener ce discours de quête de sens qui aujourd'hui fait encore plus sens, mais qui était déjà là avant? Alors, il était déjà formulé, déjà là avant, mais peut-être pas tout à fait de la même manière, parce qu'on n'était pas rentré dans cette crise sanitaire, mais on nous demandait de l'innovant. Alors, l'innovant, ça aussi, on le retrouve dans tous nos briefs. Et on s'est dit, ben, l'innovant, ça va peut-être être de parler aux gens, leur donner du contenu, leur regarder déjà quand on arrive sur un chantier, puisque nous, on intervient essentiellement sur les chantiers, il y a une analyse de territoire qu'on fait toute seule. On écoute ce qu'on nous dit, mais on va aussi observer, regarder les flux piétons, regarder les fréquentations, la destination et pourquoi ces piétons parcourent ce linéaire. Et là, en l'occurrence, on était sur un territoire en plein mouvement, sur lequel il y aura une place plus tard, mais qui pour l'instant n'est pas une place, et juste un lieu de passage. Hein. Donc, aucun endroit pour s'asseoir ou se poser pendant un certain temps quand on vient du métro, puisqu'on a toute une passerelle à parcourir. Et à proximité, ben, qu'est-ce qu'on a vu? Alors là, on ne la voit pas, cette loge-là. On avait développé une loge où les enfants pouvaient s'amuser avec des petites voitures. Tout ça pourquoi? Parce qu'on était sur le territoire, un ancien territoire Renault. Et on s'est dit, ben voilà, à proximité, il y a une crèche. Les gens, c'est un lieu de transition entre le métro et un nouvel écoquartier. Et on est sur, de toute façon, le trapèze de Boulogne-Billancourt, qui est un quartier en pleine mutation. Et ce projet avait fait couler aussi pas mal d'encre. Donc, à charge de l'agence d'expliquer pourquoi il était là et d'expliquer aussi l'histoire du quartier ou de la rappeler. Et ainsi aussi, il y avait la transmission intergénérationnelle,
puisque nos jeux de petites voitures, c'était des anciennes Renault, des bruits des usines Renault qu'on avait retrouvés grâce à l'INA. Donc il y a aussi un côté qui était transgénérationnel, ensuite un côté où l'architecte développait les raisons, son process de concept. C'est-à-dire au public, voilà pourquoi ce projet est né, comment il s'est articulé, comment il a été pensé. Ce qui nous semble intéressant, parce que finalement, ce n'est pas souvent fait au grand public, si on ne prend pas DA ou une autre revue spécialisée. Or, c'est quand même intéressant de parler de la genèse d'un projet au grand public. Ensuite, c'était se projeter aussi dans ce qui allait être cette rue traversante qui proposera des tas d'activités. Non seulement aux gens de l'entreprise qui prendra ce site, mais à tous les riverains qui traversons cette rue qui ouvre cet immeuble. Et la quatrième loggia, c'était sur les nouveaux bureaux, les bureaux de demain, la connectivité, tous les nouveaux services qui sont proposés. Mais tout ça à travers un système de transmission orale qui est quand même l'une des plus anciennes du monde, le récit, qui était quelque chose qui nous intéressait. Et avec ce procédé innovant, en fait, c'est un tout petit module qui se fixe derrière nos parois de palissade et la palissade devient une enceinte. Donc, c'est le procédé nouille. Et là, on trouvait que c'était innovant parce que techniquement, c'est très léger à installer. Et en plus, ça a l'avantage qu'on puisse relever et enfin, changer le contenu quasiment dans l'heure qui suit. Le donneur d'ordre peut changer le contenu s'il a un message à passer au grand public. Ouais, tout ça était sous un mode non intrusif, c'est-à-dire qu'on effleure la palissade et on écoute le récit si on a envie de l'écouter. Voilà, surtout pas d'intrusif, c'était aussi notre velléité. Et dans l'idée de faire accepter face à des collectifs de citoyens un petit peu remontés face à ce chantier, l'idée c'était aussi de communiquer autour de ce chantier, de le faire mieux accepter. Ça a fonctionné? Les gens se sont emparés en termes d'usage. Est-ce que les gens se sont emparés de la palissade ou à Il vivre? est en termes d'usage. Bon, c'est vrai qu'on va regarder, nous, après. Au bout d'un certain temps, au début, d'abord, les gens ne sont pas habitués à ce qu'on leur propose quelque chose où on leur donne des récits, puis en plus de ça, gratuitement. Donc, on s'est aperçu qu'ils étaient assez timides Ils n'osaient pour aller pas. faire l'activité. Ils n'osaient pas. Alors, les enfants, eux, ils osaient tout à fait parce qu'au spontané, ça les faisait même rigoler et puis passer d'une case à l'autre en écoutant les différents récits. L'adulte a un peu plus de mal et c'est vrai que il se disait soit on va me poser des questions, soit on va me demander des choses, soit on va me vendre quelque chose. Et petit à petit, je pense qu'il y a un travail aussi à faire là-dedans, c'est un nouvel usage. Donc il faut que les gens s'y familiarisent et qu'ils se disent ben voilà, je peux écouter une histoire sans moi forcément donner quelque chose en échange. C'est effectivement une nouvelle approche et il faut que les gens s'habituent à cette façon de transmission, ce mode de transmission dont ils n'ont pas l'habitude. Donc à nous, après, de rendre les choses encore plus lisibles sur le peu de texte qu'on aura sur ces dispositifs-là pour leur dire, voilà, ça va pas vous mordre, ça va, on ne vous demandera rien en échange, venez écouter un récit. Plus insister sur le fait qu'il y a un récit, une confidence, qu'il faut qu'ils peuvent écouter voilà, sans contrepartie. On voit que c'est une communication qui s'intègre plus à la vie de quartier, donc à hauteur d'homme, hein, c'est ce qu'on disait. Est-ce que, elle est aussi appelée à évoluer en fonction du chantier? Est-ce qu'on vous a demandé d'actualiser des contenus? Est-ce que, pour que ça devienne un acteur, en fait, un élément du paysage où les gens se retrouvent finalement en attendant que le chantier soit terminé? Voilà, je pense que c'était alors. Après, une fois que les choses sont posées, bon, on a quelquefois des donneurs d'ordre qui se reposent sur, voilà, la chose est faite. Hein. On passe sur un autre sujet, puisque c'est un peu quand même ce qui se passe dans la vie courante, c'est cette espèce de formule de zapping, on passe d'un truc à un autre. Une install est finie, on passe à l'autre. Alors que l'intérêt, justement, de ce type de communication, c'est qu'elle suive le fil du chantier, qu'elle peut aussi suivre le fil. On pourrait très bien imaginer qu'un jour, dans une alcôve, eh bien, on nous annonce que c'est aujourd'hui c'est le printemps avec quelque chose de complètement décalé. On peut aussi faire la communication qui est décalée. On peut aussi céder un espace
à la commune sur laquelle est implanté ce chantier pour que eux aussi puissent communiquer sur les activités, sur qu'est-ce qu'on peut faire dans telle commune. Ça pourrait être par exemple, là, je dis n'importe quoi, un point de rendez-vous pour tous les randonneurs et les randonnées qu'il y a à faire sur cette commune. C'est l'intégrer aussi dans la vie au quotidien, mais en ouvrant un peu, je dirais, l'entonnoir sur le territoire sur lequel on s'inscrit. Et pourquoi pas, ce que je disais, en rétrocédant un de ces espaces à des acteurs de la ville. Ça pourrait très bien être un collectif ou un échange entre des anciens et des jeunes en maternelle qui racontent comment était Boulogne, qu'est-ce qu'il est devenu, et des enfants qui posent des questions avec des récits peut-être un peu plus interactifs en allant dans les structures pour personnes âgées et dans les écoles du quartier. Enfin, il y a plein de thématiques en interconnexion avec le territoire qui pourraient être trouvées, qui ferait qu'effectivement, plus le chantier avance, plus on s'inscrit et on fait partie, enfin, on fait partie intime de la commune. C'est aussi dans les objectifs de ces palissades sonores. Et puis, alors après, il y a le côté très terre-à-terre chantier, où on peut aussi annoncer les événements, qu'est-ce qui s'est passé sur le chantier, à quel stade on en est. Le clocouvert a été posé ou dans 3 mois, voilà. C'est ou je ne sais pas, il y a à un moment donné, alors dans un environnement plus restreint, du bruit qui va être fait, on explique au public, aux riverains, pourquoi il va y avoir du bruit, combien de temps ça va durer. Ça peut être aussi prendre en considération les riverains qui vivent autour. Là, on était sur un espace très aéré, donc ce n'était pas la problématique, mais ça peut l'être dans certains territoires. J'ai dans cette quête de sens et vous la poussez jusqu'au bout, c'est-à-dire on voit sur un des panneaux, je crois, je suis éco-conçu ou je suis fabriqué de façon éco-responsable. C'est aussi une valeur que vous poussez auprès des donneurs d'ordre. Elle fait la RSE fait partie de tous les briefs, vous m'avez dit, mais du coup ça s'applique aussi au niveau de la fabrication même de la palissade. Alors, on essaye, nous, d'utiliser tant qu'on peut des matériaux d'abord qui sont. On peut les reconditionner. Alors, ça aussi, c'est une thématique, c'est que le reconditionnement, ben, forcément, il a un coût dans la filière qui, quelquefois, est moindre. Mais dès qu'on parle à un donneur d'ordre de coûts supplémentaires pour du reconditionnement, ce n'est pas forcément une adhésion totale. Sauf que je pense que de plus en plus, en tout cas dans le secteur immobilier, ils vont être obligés d'utiliser, de reconditionner ce qu'ils démolissent. Donc ça va être accepté. Après, quand on dit éco-conçu, ben, par exemple, nos petites enceintes, elles mangent très très peu d'énergie, nos vibreurs, notre système de mise en vibration de la matière. Donc ça fait partie aussi de notre démarche. Après, de réutiliser des matériaux qui pourraient provenir de la démolition, on aimerait bien le faire, mais il faudrait que la communication se laisse un peu plus de temps. Or, souvent, on est la dernière roue du carrosse et on arrive vraiment à la dernière minute, ce qui est un peu dommage parce qu'on pourrait... je pense que le sens aussi il vient du temps qu'on y met, du bénéfice temps par rapport à la conception d'un projet. Et ça, c'est vrai qu'on est un peu en, je trouve, en déphasage sur le sens et le temps d'un projet de communication, le temps qu'on lui accorde. Mais Et ça, puis. on le voit, je fais juste un petit, on voit sur un salon professionnel, si on avait 2 jours de démontage supplémentaire, on aurait plus de stands de reconditionner, enfin, facile à reconditionner pour repartir, mais après, il y a les contraintes des parcs et de l'accélération. Bon, là, sur les salons, pour l'instant, c'est calme, mais c'est vrai que cette notion de temps est essentielle pour un projet plus responsable, en fait. Plus On le voit, responsable oui. et puis acquérir plus de sens aussi parce que c'est ce qu'en reprenant ce que vous disiez tout à l'heure, on a beaucoup d'appels d'offres. Alors ça s'est un peu amplifié le phénomène. Alors pas tous, hein, pour pas que tous les donneurs d'ordre pensent qu'il s'agit d'eux, mais c'est vrai qu'on a des appels d'offres où effectivement on nous décrit l'ADN de l'entreprise, comme on disait tout à l'heure. Il y a énormément de valeurs communes avec d'autres entreprises, donc c'est pas simple. Et le brief en lui-même, bah, il n'y a pas grand-chose, hein. Soyons clairs sur certains, c'est un peu vide de sens, hein, de particularité.
parce que je pense qu'on est aussi dans une période, notamment dans le secteur immobilier, où il y a un certain attentisme parce qu'ils ne savent plus trop où ils vont. Notamment, nous, on travaille beaucoup sur le tertiaire. Vous imaginez bien qu'il va falloir tout réinventer et ce n'est pas simple. Et d'autre part, donc nous, quelque part, ça nous fait, je dirais, du boulot, le double de boulot, parce qu'à nous de quasiment de rédiger les questions qui devraient être posées dans le brief, puis ensuite d'y répondre. À partir du moment où on y réfléchit, quelles sont les questions induites par ce brief très généraliste, c'est vrai qu'on, c'est ça aussi qui amène nos réponses, du fait qu'on réfléchisse. En fait, se propose quelque chose de très imagé. On a 50 litres de flotte. On est obligé de mettre un entonnoir pour en récupérer deux quand on a un brief. Les deux éléments déclencheurs qui nous diront, ben voilà, par rapport à tout cet ADN collectif et commun aux autres donneurs d'ordre, quelles particularités peuvent-ils avoir? Et sur cette opération, qu'est-ce qu'on peut trouver, nous, comme particularité? Et c'est vrai que ça a quand même un gros boulot parce qu'il y a les donneurs d'ordre qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas, dans lesquels on rentre dans des univers, même s'il y a les mêmes valeurs qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas leurs habitudes, leur communication. Alors, on voit apparaître de plus en plus aussi des donneurs d'ordre qui, certes, il y a une charte graphique, mais on l'applique de manière un peu plus souple et de plus en plus souple, je pense, puisqu'on est obligé d'entrer dans des images qui n'ont peu ou pas à voir avec ce qu'ils avaient avant en communication tradie. Et je pense aussi que être en quête de sens par le son, par l'image, ben c'est aussi pour les donneurs d'ordre, à un moment donné, savoir prendre un risque. Et quand on ne prend pas de risque, la signification est difficile à trouver. Et c'est vrai que c'est ce qu'on va leur demander à tous, c'est d'oser prendre des risques s'ils veulent se particulariser par rapport à d'autres. Oui, face à ce socle de valeurs communes, il faut quand même prendre ce risque pour exister finalement, puisque sinon on va être Voilà. noyé dans la masse. Oui. D'autres. Pardon. Allez-y, allez-y. Ah non, non, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Je propose de passer à un autre projet que vous avez réalisé, on va continuer à en discuter. C'est celui des bancs Oui. sonores. Donc, les bancs à histoire, là aussi, on retrouve le son. Alors là, on est plus dans le domaine, on n'est plus dans le chantier, on est dans l'urbanisme. Donc, Oui. vous investissez le territoire là aussi avec une population particulière. Donc, la démarche est peut-être un petit peu la même au départ, mais je vous laisse nous expliquer. Alors, elle n'est pas tout à fait la même. Il y a quand même une velléité de base qui est toujours d'être à hauteur d'homme. Et là, c'était vraiment s'inscrire dans le parc des Portes de Paris, ICANN. Et donc, on nous demandait de préfigurer un chantier qui va s'appeler la forêt urbaine, c'est-à-dire un parc, une forêt qui va s'inscrire donc dans la commune d'Aubervilliers. Et de dire quels avaient été les choix pour amener à cette réflexion de concéder sur un parc où il y a essentiellement une activité tertiaire. Alors, ne me demandez plus combien d'hectares, je ne me souviens plus, mais ce n'était pas anodin de rendre ce territoire à la nature pour aussi ramener une flore et une faune surtout qui avaient été chassées de ces territoires. Alors, tous ces sujets nous ont vivement intéressé, on a appris plein de choses parce qu'on a été interrogé pour mettre en forme notre son des acteurs tels que les écologues, les urbanistes, tous les acteurs donc de ce parc hein, et qui donnaient où on avait aussi le sens, la signification de ce parc et pourquoi on l'installait, quel type de faune on allait retrouver. D'où ils allaient venir par rapport au courant de vent dominant, des tas de questions intéressantes. Et on s'est dit, ben voilà, on n'était pas loin d'une aire de pique-nique, pas loin d'une ferme urbaine. Les gens se retrouvent là, alors effectivement, plus quand on est dans les beaux jours pour discuter, échanger, sortir un peu de leur bureau. Et on est quand même dans une zone où les gens viennent déjeuner à midi, faire une pause, se rencontrer, échanger, discuter.
Et on s'est dit, ben, faut leur expliquer pourquoi ils vont se retrouver avec quand même un chantier devant leur zone et leur aire de repos pendant 12 mois à minima. Et de là, on s'est dit, ben, ils peuvent très bien manger leur sandwich sur nos bancs et on va leur expliquer un petit peu quelle est la faune qu'il y avait avant, comment on va la retrouver, comment on va l'attirer, par quel type de flore. Donc, quel espace on va leur proposer, qui sera pas un espace, qui y aura des activités, c'est vraiment une forêt où on rentre. Ben, c'est pour ça que ça s'appelle la forêt urbaine, dans une forêt urbaine, pour écouter la nature, écouter le bruit du vent, sentir les différentes essences, réfléchir, se détendre, avoir un temps de transition aussi quand ils repartent de leur aire de travail, aire de pique-nique, aire de travail, avant de rejoindre, en l'occurrence, la place du Front populaire. Et avant de rejoindre des transports urbains, et un contexte urbain, c'est une espèce de sas de détente, en fait, que propose cette forêt. Et on leur a expliqué, ben, en les impliquant, quel était le devenir du lieu qu'ils allaient fréquenter et dont, malheureusement, ils seraient obligés de subir pendant 12 mois le chantier. Est-ce que ces communications, on voit un fort développement des communications des municipalités, des communications citoyennes. J'imagine que, avec en plus la Convention citoyenne pour le climat qui commence, dont certains articles s'attaquent à la publicité type plus réclame sur l'espace public, ce type de communication doit susciter des vocations ou des envies d'autres acteurs que vos acteurs classiques, je pense à des municipalités par exemple. Est-ce que vous voyez arriver aussi ces nouveaux donneurs d'ordre, en fait, qui sont peut-être moins de. Alors, sur les chantiers, il y en aura toujours. Donc, c'est une manière de communiquer et pas de faire de publicité, puisqu'elle est montrée du doigt en ce moment. Mais cette communication citoyenne, d'autres acteurs du grand format aussi, ou de la communication urbaine, il y a différentes initiatives autour de ces valeurs. Est-ce que vous aussi, vous êtes contacté aujourd'hui par des mairies qui veulent communiquer sur. Leur politique vis-à-vis de l'enfance, vis-à-vis, etc. Enfin, plein de choses, et justement par d'autres voies plus douces, comme celle que vous proposez. Alors, là-dessus, on a un peu développé et on va développer avec certaines communes. Effectivement, quand il y a un gros projet urbain, ben, expliquer. Alors, la concertation, ça nécessite des choses plus techniques. On pourrait faire des bancs à concertation, mais qui dit concertation dit question-réponse et il y a toute une technicité de modération à mettre en place et des réponses qui arrivent tout de suite. Mais néanmoins, je pense que ça peut être un outil intéressant si les différents acteurs communiquent en étant intelligibles. Et je pense qu'elles commencent à y penser, les communes, parce qu'elles s'aperçoivent que bah, le contenu, on a déjà tous vécu et on n'a pas fini de vivre tous sur nos ordinateurs à lire et relire des tas de textes, et je pense que le sonore va prendre de plus en plus de terrain. Déjà, parce c'est vrai qu'on a tous les yeux explosés au bout d'une journée, parce qu'on ne fait que ça. Et que le son, pour moi, est plus abordable, parce que on n'a pas forcément le même effort à faire que quand on lit. On n'a pas forcément la même attention. Et il faut que ça soit fait vraiment sous le ton du récit, de la confidence, où on a un rapport qui soit quasiment d'un être à un autre être. C'est-à-dire que la commune deviendrait un être qui parlerait à un de ses administrés et non pas une mairie qui parle Une à des façon riverains. d'humaniser l'espace, en fait. Et puis que ça soit personnalisé, que c'est viens m'écouter, qu'on ait un ton direct. De plus en plus, je pense que de toute façon, le ton va devoir être direct, avec moins d'enrobage. Hein. Alors après, le son, c'est le son aussi, parce que quand on en a papier, il est écrit, il peut se relire. Le son, on peut venir le réécouter, c'est sûr. Mais il y a un côté plus léger, je dirais, que les écrits, et plus ce qu'on retrouve sur une place de village, ben, on a les anciens qui transmettent aux jeunes, aux moins jeunes, ben, des savoir-faire, l'histoire de la commune. Et je pense qu'on va plus être sur ce fil-là,
sur une histoire collective, un patrimoine collectif qu'il va falloir partager, y compris dans ce qu'il était, dans ce qu'il va devenir. J'ai Si on une veut question avoir là. Excusez-moi, j'ai une question qui tombe sur le chat à propos de diffusion et de ces infos et de ce partage. Est-ce que ce seront des sons exclusivement réservés à ces supports ou est-ce qu'on pourrait les retrouver ailleurs, façon podcast radio, par exemple? Ou Ah oui, penser ça même. Il raccrocher, alors c'est vrai que tout ça c'est en développement chez nous, mais raccrocher aussi une émission, je veux pas, je dis n'importe quoi, sur France Culture, n'importe quoi, qui traite du sujet dont on parle dans nos bancs, qui pourrait être raccroché, ça fait partie aussi dans le monde qu'on vit, des choses qu'on développe, parce que communication. Si on ne veut pas sortir dehors, nos bancs, ils vont parler tout seuls. Donc, on y a aussi pensé à ce sujet-là. Alors, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, communes, elles sont encore plus obligées d'être dans le sens. Marc, dire qu'elles vont toutes communiquer sur le plan climat. Alors, oui, certaines vont le faire. Après, je pense qu'il ne faut pas que ça soit un décorum et un habillage parce que. Je pense que le public est de plus en plus averti sur ces sujets-là et il ne s'y fera pas prendre. Donc, quand alors je prends n'importe quelle marque, prenons Nike par exemple, se met à communiquer énormément sur le plan climat, ben on va aller fouiller, savoir comment toute leur production s'organise, leur politique RSE, enfin voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'ils soient très très prudents. Et que ça ne devienne pas un habillage pour conquérir des nouveaux clients. Alors qu'ils fassent très attention. Et c'est là que, quand on dit que le sens, il doit être dans son sens, Il doit être dans cohérent. l'intégralité de ce que veut dire le mot sens et signification. Parce que pour moi, sens, ça veut dire direction, ça veut dire signification. Et quand on prend une direction, il faut se donner tous les moyens et que ça soit cohérent. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc, il va falloir qu'il s'attelle à avoir des outils de communication en cohérence avec l'identité de la société. Donc pour ces marques en quête de sens, vous conseillez de prendre le temps de la réflexion pour identifier ce qui les identifie le mieux dans ces valeurs communes, pour avoir la communication la plus adaptée et pas noyée, c'est ça? Pas noyé. Et puis, ils ont une particularité, par exemple, par rapport à ce qu'ils développent prenons le plan climat, et bien, il va falloir qu'ils développent ces particularités encore plus, développer la particularité dans la particularité, je pense, s'ils veulent arriver à sortir du lot. Que tout le monde a la même quête. J'ai une question, du coup, dans cette quête de sens, est-ce que vous l'appliquez à vous aussi? Est-ce que c'est de la fabrication et pose made in France? Alors, nous, c'est Made in France, d'abord parce qu'on n'est pas une multinationale, d'abord parce qu'on aime bien travailler en économisant quand même un peu de kérosène si possible. Et puis, ça, c'est pareil, quand on répond à des appels d'offres et qu'on nous dit dans quelle façon vous inscrivez-vous dans le climat, moi, on répond à la même démarche dans laquelle nous, on s'inscrit. Au quotidien, notre société, c'est pareil. C'est au quotidien, on s'inscrit dans une démarche qui est cohérente et qui a du sens avec ce qu'on fabrique. On va pas aller chercher des composites à l'autre bout de la terre alors qu'on les a là, y compris sur la réutilisation des matériaux. Sur, par exemple, les petits bancs là qu'on a fait, on a fait attention à ce que les assises soient toutes issues de la réutilisation de matériaux. Alors, les gabions, parce que les gabions, bah, c'est ancestral, hein, le gabion. Et puis surtout, de chercher toujours des systèmes simples qui ne nécessitent pas un barnum, qui sont simples de fonctionnement, simples d'accès pour un maître d'ouvrage et minimiser les coûts aussi de toutes ces communications en essayant aussi, par exemple, sur ces bancs, si c'est des communes qu'ils achètent, ils peuvent les stocker, les réutiliser. C'était aussi un de nos credos, pouvoir réutiliser ce qu'on propose, notamment aux communes, comme à nos donneurs d'ordre aussi,
en changeant les visuels, en changeant le son, en changeant leur position. Ces bancs, ils peuvent devenir des palissades bancs. Enfin, et bon, on est en train de travailler sur d'autres choses. Ça peut être très bien aussi des bancs à lecture sur des EHPAD. Alors, peut-être pas les Parisiens, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place, mais dans ceux qui sont, par exemple, en province, avoir des bancs à lire qui viennent à support. Pour que ils puissent travailler sur les textes et puis que quand on a des personnes qui n'ont pas de mémoire, elles puissent réécouter la nouvelle autant de fois qu'elles le veulent dans la journée, en discuter. Il y a plein d'utilisations qui peuvent être faites, y compris on avait été contacté par un donneur d'ordre pour que ces bancs soient installés quand on a des chantiers de 3 ans, 3 ans et demi énormes avec plein de compagnons. Ça serait devenu un lien un peu fédérateur entre les différents compagnons, qui sont souvent, c'est multinational, hein, un chantier. Alors, on dit n'importe quoi, où chacun peut raconter une histoire de ses origines. Ça peut être aussi comment il est rentré dans le BTP. Voilà, il y a plein de solutions où ça peut être aussi des outils fédérateurs et de communication interne. Voilà. Puis on a plein d'autres idées, mais bon, il y en a qui se feront, il y en a qui ne se feront pas. Bon, le principal, c'est d'avoir des projets. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre vision et votre expertise. Donc, je rappelle que vous dirigez l'agence Art Chantier avec, avec talent et j'espère qu'on verra d'autres projets comme ça dans nos villes très bientôt. Merci Geneviève. Merci beaucoup. Au revoir. Je rappelle, au revoir, je rappelle à tous ceux qui nous écoutaient aujourd'hui que le replay est disponible, sera disponible sur notre site salon-cprime.com à partir de la semaine prochaine. Sinon, les Cprime Days, donc c'est terminé. Vous avez été près de 1500 à nous suivre et à suivre tous ces échanges pendant 4 jours et nous vous en remercions. Merci aussi à tous nos intervenants. Je vais mettre mon masque parce que j'aimerais remercier aussi toute l'équipe qui a participé à l'élaboration et à la diffusion de ce programme, avec à l'organisation et à la communication, Pauline Ducas, Aurélie Lamondé, Bertrand Genevi, Monica Calvo, Cécile Clauzel, Marie-Caroline Register, Marie Guittard et Arnaud Brassac, et au contenu, Florence Ducas, rédacteur en chef du magazine IC Le Mag, qui est partenaire de ces rencontres. Voilà, je n'étais pas toute seule, vous voyez, pendant ces Cprime Days. On était toute une équipe et on sera ravis de vous retrouver tous sur le salon Cprint Lyon les 8, 9 et 10 juin 2021, avec tous nos exposants qui vous attendent. Merci beaucoup et à très bientôt. Bravo Cécile pour ces 4 jours.